chrétiens peuvent fêter le 8 mars parce qu'une femme chrétienne, elle ne vit pas hors de la planète Terre. Elle vit dans le monde, donc elle est censée participer à cette fête. Surtout que c'est la fête qui est faite à son honneur. Elle doit participer. En tout cas, elle doit participer en tant que chrétienne, mais tout en faisant preuve de discernement. Voir ce qui est contraire, n'est pas contraire à la parole de Dieu. Donc, agir avec perspicacité. Voilà, et s'il s'agit aussi de porter le pain, elle peut le porter. Mais elle ne doit pas s'attarder à l'apparence, à ce qui est superficiel. C'est donc, elle doit s'attarder à la prise de conscience, donc le fort intérieur, voir ce qui n'est pas bon. Et s'efforcer de faire le bien. Regarder un peu ce qui s'était passé, si elle n'a pas pu atteindre ses objectifs. Fixer des objectifs, donc prospecter pour l'avenir. La femme chrétienne peut fêter. Le 8 mars, c'est pas mauvais pour une chrétienne. Le positionnement de la femme face au 8 mars est apprécié de diverses façons. Ce matin, autour de la question, nous recevons le révérend Francis Tinouna. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Alors, le 8 mars est consacré à la révision des droits de la femme. La femme chrétienne a-t-elle aussi des droits? La femme chrétienne est un être humain. Et les droits dont on parle sont destinés aux humains. Quoi qu'il s'agisse des femmes, mais c'est d'abord des humains. La chrétienne est chrétienne parce qu'elle manifeste une certaine foi, une foi en Christ. Alors, lorsque l'on parle donc des droits qui sont donc octroyés aux femmes, la chrétienne aussi devrait avoir accès à ces droits. Sauf qu'ici, il est important que nous puissions replacer les choses dans leur contexte. La question donc du 8 mars est une journée internationale des droits de la femme. Quelquefois même dans le monde du marketing et même dans le langage courant, on dit journée internationale de la femme, on dit même parfois journée de la femme, journée mondiale de la femme. Il y a toutes sortes comme ça de déclinaisons autour de cette journée. Il faut dire que c'est quelque chose qui remonte autour du 19e siècle. À l'occasion de luttes féminines en Amérique et sur le continent européen. Et cela a évolué. Et les premiers à pouvoir imposer ou bien établir une journée internationale de la femme, c'était donc les Russes, c'est-à-dire la Russie soviétique, qui à l'époque donc, va donc établir une journée internationale de la femme et qui va courir jusqu'aux environs de 1965 et qui après donc va être comme ça pris par l'ONU en 1977 pour l'établir à l'échelle donc planétaire. L'ONU va demander à ce que tous les pays de la planète observent donc une journée internationale de la femme, une journée internationale des droits de la femme. Donc, la femme a des droits qui lui sont donc reconnus. Des droits, par exemple, au travail, des droits à l'égalité en ce qui concerne le traitement au niveau du travail et des droits pour aller dans le sens de la non-violence, comme nous sommes dans une société où on crie et on décrit beaucoup les violences qui sont faites donc à l'endroit des femmes. Mais il faut noter qu'à côté de la journée du 8 mars, il y a plusieurs autres journées qui sont célébrées, toujours autour de la personne féminine, donc autour de la femme, mais les gens ne le savent pas toujours. Mais il y a d'autres journées. Vous avez par exemple la journée du 6 février, qui est une journée qui a été choisie pour être comme une journée de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Vous savez qu'en Afrique, par exemple, il y a des mutilations qui se font sur la personne de la jeune fille, donc l'excision qui se fait sur les femmes. Vous avez une journée qui a été donc comme ça choisie pour éradiquer cette chose. Mais vous avez aussi la journée du 25 novembre qui a été choisie pour éliminer la violence qui est faite aux femmes. Donc il n'y a pas que le 8 mars. Le 8 mars regarde donc les questions des droits de la femme de façon générale, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres journées qui de façon spécifique regardent d'autres droits qui sont relatifs à la femme. C'est le cas par exemple également de la journée du 11 octobre et qui est une journée qui est internationale des droits de la femme et de la fille scientifique. Donc là, c'est tourné vers la science. Donc il y a plusieurs aspects possibles sur cette question. Alors, tant que ces aspects ne sont pas contradictoires à la parole de Dieu, donc à la Bible, eh bien la chrétienne a droit à ses droits, si vous pouvez me permettre l'expression. Donc la chrétienne a accès à ses droits. Mais si ces choses ou les droits que l'on revendique sont contraires aux dispositions établies dans la Bible, en ce moment-là, la chrétienne laisse aller les droits. Je reviens sur ma question. Quels sont donc les droits que la femme chrétienne doit connaître? Alors, la femme chrétienne a déjà ce droit en tant qu'être humain au respect de sa personne et de sa dignité. Donc, en tant qu'être humain, à part entière, cette chrétienne ou toute femme chrétienne doit être respectée. Ensuite,
La femme chrétienne a droit au travail. Si son mari le lui permet, pour la femme qui est mariée, elle a droit au travail. Si son mari ne lui permet pas, alors là, c'est une question d'entente entre les deux. Je ne vais pas rentrer là-bas. Et la jeune fille qui n'est pas encore engagée, qui a fait ses études et tout le reste, elle a aussi droit au travail. Donc, vous voyez, la femme chrétienne, si elle a droit au travail, elle a aussi droit à l'éducation. Effectivement. Donc, tous ces différents droits auxquels tous les humains ont accès, la femme chrétienne y a également accès. Alors, de quelle manière la femme chrétienne devrait-elle défendre ses droits quand on sait qu'elle n'a pas le dernier mot? Alors, qui dit qu'elle n'a pas le dernier mot? Parce que ça va dépendre du statut de la femme. Si la femme est mariée, si la femme est mariée, la Bible dit que tous les désirs de la femme se tournent vers son mari. Donc, en ce moment-là, la femme dépend entièrement de son mari. Et si elle a un souci, elle en parle à son mari et c'est son mari qui regarde la question. Mais si elle n'est pas encore mariée, il va encore là s'agir de voir si elle est encore sous le toit parental, elle est encore sous tutelle. Si elle est sous tutelle, c'est son tuteur qui va donc se charger de la question. Mais si elle n'est plus sous tutelle et qu'elle dépend d'elle-même, en ce moment-là, elle va alors être obligée de revendiquer ses droits elle-même. Elle peut se plaindre à la gendarmerie, elle peut se plaindre à la police, elle peut se plaindre également auprès de la justice. Donc elle a le droit de réclamer donc comme ça ce qui lui revient. Alors, j'aimerais qu'on puisse appesantir un peu sur la femme mariée. Donc, cette dernière, si ses droits sont menacés, comment va-t-elle revendiquer effectivement ses droits? Si ses droits sont menacés, elle parlera à son mari. Et avec son mari, ils vont donc établir une ligne de défense. Prenons un cas. Vous êtes dans le cadre de la vie de l'entreprise. Donc, votre femme travaille en entreprise. Et là, dans l'entreprise, ses droits sont bafoués. Par exemple, elle n'est pas payée selon son grade, selon ses capacités, selon le poste qu'elle occupe. Donc l'homme qui travaille, qui a le même poste qu'elle, est mieux payé qu'elle. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle en parlera à son mari. Avec son mari, ils verront s'il faut démissionner ou bien s'il faut introduire une revendication. Mais dans ce contexte-là, c'est la femme elle-même qui fera donc une lettre pour introduire la revendication auprès donc de sa hiérarchie. Ce n'est pas son mari. Et au sein du couple, lorsque c'est le mari qui ne veut pas respecter les droits de la femme, à ce moment-là? Alors, lorsque vous avez affaire à un mari qui ne respecte pas le droit de la femme, il faut également prendre en ligne de compte le fait que nous sommes en société africaine. Dans la société africaine, il y a certaines choses qui sont taboues. Donc, on ne peut pas en parler n'importe comment. Mais déjà, dans le cadre chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on en parle. Et si vous ne trouvez pas une solution, vous vous adressez au pasteur qui viendra s'asseoir entre vous deux et essaiera donc de vous concilier, sinon de vous réconcilier. Mais lorsqu'il s'agit d'une affaire qui va maintenant toucher, qui peut aller jusqu'à la dissolution du mariage, dans ces conditions-là, les familles vont être intéressées. Et alors, on intéresse les familles, on en parle. Si la solution n'est pas toujours trouvée, eh bien on se reporte alors à la justice et on dépose plainte ou bien on fait un recours à la justice pour que le litige soit donc résolu. Sinon, avant d'arriver jusque-là, avant d'aller aussi loin, au travers simplement des conseils que la parole de Dieu donne, la chose peut être très bien résolue et tout rentrera dans l'ordre. Mais il faut noter que l'homme qui est marié à une femme, la loi de Dieu exige à cet homme de respecter la personne et la personnalité de cette femme. Il faut savoir qu'avant que cette femme ne soit la femme d'un tiers, eh bien, elle est d'abord une fille de Dieu. Et donc, de ce fait, Dieu exige, je dis bien exige, du respect vis-à-vis de cette femme. Et quand je dis respect dans tout le sens du terme. C'est-à-dire qu'on doit donner à cette femme tout le poids qui est dû à sa personne. Parce que c'est un être humain que l'on doit respecter. Voilà pourquoi donc, elle ne doit pas être violée. Lorsqu'on doit passer à l'intimité, ça doit être avec le consentement de la femme, même si elle est mariée, même si vous l'avez épousée. Elle ne doit jamais être chosifiée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer cette femme comme un objet sexuel. On ne doit jamais utiliser cette femme comme une sorte de travailleuse chez vous, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas votre bonne à tout faire. Non. Si vous avez besoin d'une bonne à tout faire, vous engagez une personne qui viendra donc travailler chez vous. Mais votre femme est votre épouse, c'est votre, on va dire, votre compagnon, votre compagne. Alors vous n'avez pas besoin de pouvoir comme ça la faire travailler comme si elle était une bonne à tout faire. Donc vous voyez, il y a des actes ou bien, je veux dire, des travaux ménagers dans lesquels le mari pouvait et devait et doit en fait aider son épouse afin que justement ces différents travaux ne soient pas pour cette femme-là comme une corvée. Alors sinon elle sera tout à fait malheureuse. Et cette femme-là a également droit au respect dans le sens qu'on ne doit pas l'injurier, la vilipender, lui faire des réprimandes en public. Même pas devant les enfants ou les cousins ou les neveux qui habitent avec vous. Et en Afrique ici, plusieurs habitent et partagent la même cour. On ne doit jamais le faire non plus
devant, dans la cour ou que vous partagez avec plusieurs. Sinon, si vous le faites, cette femme-là ne sera plus jamais respectée. Donc, elle perdra complètement sa personnalité. Et si vous avez des cousins à la maison, vous avez des neveux, ces neveux-là ne respecteront plus jamais cette femme. Et les enfants qui assistent à ce spectacle à tout moment, eh bien, ces enfants également vont perdre la notion de respect vis-à-vis de leur mère. Alors, voilà pourquoi il ne faudrait pas faire cela. Et vous allez créer dans le cœur de cette femme-là un manque de respect vis-à-vis de vous. Cette femme se sentira mal aimée, cette femme se sentira rejetée, cette femme se sentira au rebut. Et cette femme-là va être obligée alors de se trouver un autre moyen d'exister. Donc, elle sera dans le foyer pour un temps, mais le pied, il y aura un autre pied à l'extérieur. Pasteur Francis, la journée du 8 mars consacrée aux droits de la femme est aujourd'hui célébrée au niveau mondial par le port du bagne et consorts. Alors, la femme chrétienne devrait-elle aussi se livrer à de telles pratiques? Déjà ici, je voudrais m'inscrire en faux dans le fait que aujourd'hui, je vois ce qui se passe au Congo-Brazzaville et peut-être même dans la plupart des pays d'Afrique. Je m'inscris en faux dans le fait que la journée du 8 mars, qui était censée être une journée de réflexion autour des droits de la femme, soit comme ça réduite juste à une histoire de panne. Et chaque 8 mars, s'il n'y a pas un pagne, les entreprises, je vois comment est-ce qu'ils font des dépenses pour acheter à tous les employés femmes un pagne sur lequel on écrit, il est marqué 8 mars, et on arbore ce pagne un peu partout dans les rues, on va dans les bars, on boit, on danse. Mais quand vous buvez et vous dansez, quelle réflexion vous faites autour de l'alcool? Mais si nous avions d'abord réfléchi, après on se donne... Donc après avoir réfléchi, on va se distraire dans un bar, c'est cela. C'est juste question de se défouler. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi justement, année après année, on revient sur les mêmes choses. Parce que cette journée était censée être, d'ailleurs, quand je m'en tiens à ceux qui ont initié cette journée dès le départ, cette journée devait être une journée de réflexion et en même temps de bilan. On réfléchit sur les droits qui doivent revenir à la femme, mais on fait également un bilan des acquis. Puisqu'il y a une lutte qui est menée depuis un certain temps. Donc on fait un bilan sur les acquis et on essaie de voir qu'est-ce qui reste à faire, quel est le parcours qui reste à faire. Et on établit un programme pour voir comment on peut, donc justement mener à bien ces différentes actions. Mais si rien n'est fait, quand arrive le 8 mars, tout ce que vous savez faire, c'est aller danser dans un bar, vous trémoussez, vous remuez dans tous les sens. Mais qu'est-ce que cela apporte? Je m'inscris complètement en faux. Et dans ce cadre-là, la femme chrétienne n'a pas à se mêler à de tels divertissements. Parce que ces divertissements n'honorent ni la femme, ni son Dieu, ni son Créateur. La femme chrétienne a cette particularité, c'est que pour elle, son Dieu est maître. Et son Dieu est maître de son cœur et de toute sa vie. Alors, tout ce qu'elle doit faire, que ce soit dans le cadre de l'entreprise, que ce soit dans le cadre de la société, que ce soit dans le cadre de la lutte pour les droits de la femme, tout doit se faire en conformité avec ce que dit les textes sacrés, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Trouve-t-on donc dans la Bible des femmes qui militaient pour leurs droits? Alors, dans la Bible, nous n'avons pas spécifiquement des femmes qui ont milité pour leurs droits, mais nous avons plutôt des femmes qui ont été très courageuses et qui ont plutôt milité pour le droit des enfants et des peuples. C'est le cas, par exemple, de Esther, qui s'est illustrée d'une façon très particulière et a sauvé la vie de tout un peuple, le peuple juif. Et vous avez également, comme ça, à l'époque des juges, une femme qui s'était également illustrée parce qu'elle avait été utilisée par le Seigneur pour pouvoir mener des batailles et des guerres qui ont aidé tout un peuple, le peuple d'Israël en particulier. Donc vous voyez, en fait, ici, l'image que nous renvoie la parole de Dieu, c'est justement l'image que Dieu a établie, ce que Dieu a établi sur la femme dès le commencement. La femme, c'est par elle que vient la vie. Donc les enfants naissent par elle. Et ces enfants-là deviennent les hommes de demain. Tout ce que nous avons en société, les grands et autres, ce sont ces gens-là. Donc ils viennent de la femme. Donc la femme est censée, en fait, militer pour justement la préservation de la vie sous tous les contextes que ce soit. Alors, pasteur Francis, y a-t-il un message particulier à donner aux femmes en ce mois de mars? Je dirais simplement aux femmes qui nous suivent que déjà, il faut savoir que le Créateur, quand il a établi les choses dès le commencement, il n'avait jamais parlé du fait que la femme devait être brimée ou la femme devait être, en fait, subir toutes sortes de violences. Non, le Créateur a établi les choses sous un certain ordre, il est vrai, mais il n'avait jamais dit que la femme devait être chosifiée ou plus comme un objet. Donc il appartient aux femmes de revendiquer ce droit, de s'approprier ce droit et de reprendre ce droit. Mais attention, on ne doit pas reprendre ce droit-là en usant de violence physique. On a juste besoin de reprendre ce droit en usant de sagesse et de réflexion, c'est-à-dire en posant sur la table des propositions qui sont tout à fait lucides, claires et raisonnables.
Et comment on peut le faire? Ce n'est pas en arborant un pagne qu'on le fera. Ce n'est pas non plus en s'empiffrant d'alcool qu'on le fera. Mais on le fera en réfléchissant. Et on ne réfléchit pas autour de l'alcool, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu des savants eh bien, sortir des grandes découvertes autour de l'alcool. Non, ça ne se fait pas. Choisissons. On ne peut pas choisir. On ne peut pas à la fois vouloir d'une chose et de son contraire. Choisissons un chemin. Pasteur Francis, merci. C'est moi.